Christophe Colomb, il est à 500 ans, hisse la grande voile de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Le soleil toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. C'est comme utile. Tu peux m'aider en déplaçant le seau. D'accord, et je le remplirai lorsqu'il sera vide. Christophe, on a besoin de toi par ici. Voilà, j'arrive. Christophe, quand t'auras une minute, viens m'aider. Oui, Thomas, je viens. Christophe. Bah, j'arrive. Je n'ai que deux bras et deux jambes. Je peux pas me partager en quatre. Bon, ne bavarde pas tant et travaille plus vite, Christophe. Giovanni, d'après toi, cette tempête va se déchaîner bientôt? Pour cette nuit ou demain matin? Alors nous serons en plein dedans, nous n'atteindrons pas les îles Cyclades à temps. Nous sommes trop chargés. Il est évident qu'on est tellement surchargé qu'on peut pas aller plus vite. Ah, mais... Je cherche la marchandise par-dessus bord! Le bateau n'arrive pas à prendre de la vitesse. Et à cette allure, la tempête nous surprendra avant les îles Cyclades. Débarrassons-nous d'un tiers de la cargaison. Ou alors mettons-nous à l'abri dans le port le plus proche. Insensé! Vous êtes fou! Savez-vous la perte d'argent qu'entraînerait un seul jour de retard? Capitaine, ne demandez pas à votre second d'avoir le sens du commerce. Mon devoir est d'assurer la sécurité de tout l'équipage. Il semble que vos intérêts ne soient pas les nôtres, n'est-ce pas, capitaine? Pour vous, l'argent... Qu'est-ce passe-t-il encore? Très vite, ces hommes! Giovanni, je vous somme de me lâcher! Seulement quand vous aurez accepté d'alléger le bateau! Non! Votre vie est autant en danger que celle des autres! Est-ce à propos de notre cargaison? Lâchez le capitaine! Vous êtes dès à présent mis aux arrêts! Aux arrêts? Écoutez-moi! Vous avez été témoin de l'agression de Giovanni sur ma personne. Il n'a pas hésité à se rebeller et à refuser l'autorité de son capitaine. Il me maintenait prisonnier en me menaçant de me jeter par-dessus bord. Ça, je Giovanni pas ne ferait pas une chose pareille. J'ai été témoin de toute la scène. Il a offensé le capitaine en l'insultant et en le brutalisant. Mais c'est impossible, je connais Giovanni, il ferait pas ça. C'est pourtant la vérité, et il voulait faire bien pire. Par jalousie, il voulait me forcer à jeter à la mer votre gagne-pain, toute la cargaison. Oh. Pourquoi Giovanni? D'après lui, une tempête nous menaçait. C'est en tout cas la raison qu'il m'a donnée. Vous êtes le meilleur équipage qu'il y ait jamais eu à Gênes. Ne me dites pas qu'un peu de mauvais temps vous fait peur. Capitaine, aucun marin ne vous dira qu'il est heureux de devoir affronter une tempête. Mais ce ne sont pas quelques vagues qui me feront peur. Oui, ben ça, moi non plus. Il voulait jeter la cargaison. Quel gaspillage. Pourquoi est-il sûr qu'il y aura une tempête? Giovanni serait prêt à gaspiller la marchandise et nos profits pour éviter une tempête imaginaire. La tempête existe et nous allons tous couler avec la marchandise. Sommes-nous réellement menacés par une tempête? Éventuellement. Est-ce bien prudent de continuer notre route? Mais il n'y a pas de quoi vous alarmer. Elle devrait être de faible intensité. La mer Égée n'a pas la réputation d'être dangereuse. Et mes hommes n'ont pas la réputation d'être des coins. Un vrai et un bon marin protégera son chargement contre vents et marées. Surtout quand sa solde a été doublée. Oui, nous sommes de bons marins. Les marins génois sont les meilleurs du monde. Nous sommes prêts à le prouver. Vive le capitaine! Vive! Réfléchissez. Ouais.
Tenez-vous plus à votre bourse qu'à votre vie. Mais vous allez vous taire? Puisque vous refusez d'obtempérer, vous ne me laissez pas le choix. Mettez-le au fer dans la cale. Ne faites pas ça. Le capitaine est maître à bord. Qui d'en trouve à y dire? Nous devons tous obéir aveuglément à notre capitaine. Il nous guide et nous le suivrons. Ils font l'attacher solidement. Venez m'aider. À vos ordres. Exécution. Non, attendez. Giovanni n'est pas n'importe quel ruffian, il est notre Bosco. Attends, Christophe, tais-toi. Tout le monde sait qu'il est le meilleur des marins génois. Vous répétez toujours que vous êtes très fier quand il dirige la manœuvre. Oh. Le petit a raison. Il est vrai. La mer n'a pas de secret pour Giovanni. S'est-il déjà trompé? Et si nous sommes arrivés à Kyo à temps, c'est uniquement grâce à lui. Mais c'est un provocateur. Et si on le laisse faire, il nous conduira tous à notre ruine. Marin, si vous faites preuve d'obéissance, je triple votre solde. Trois fois la solde habituelle. Costello, vous serez mon second à présent. Moi? Vous parlez sérieusement? Moi? Je suis sérieux. J'ai confiance en vous et vous pouvez faire un bon maître de manœuvre. À vos ordres, capitaine. Je ferai de mon mieux. Et maintenant, jetez Giovanni dans la cale. Non, capitaine. Eh ben, vous avez entendu, exécution. À vos ordres. Ne fais pas ça. N'approche pas, Luigi. Ils vont te jeter dans la cale, toi aussi. Christophe, reste à ta place. Non, mais ouvrez les yeux, bon sang. Le traître n'est pas celui qu'on croit. Mais il l'aura volé. Attrapez ce petit morveux. À vos ordres. Costello, je te défends de lever la main sur lui. Vérifiez, retendez toutes les drisses. Ouais, enfin, je veux dire, à vos ordres. À bord d'une heure. Christophe, ton action était vraiment stupide. Que t'est-il passé par la tête? Tu ne feras pas de vieux os dans la marine si tu t'insurges contre le capitaine. J'ai défendu mes convictions. Tu as bien fait. Tu as eu le courage de tes opinions et tu as refusé de te soumettre. Tu t'es conduit de façon noble en vrai marin. Tu savais d'instinct ce qui était juste et aucun discours ne t'a touché ou influencé. Ton âme est celle d'un grand navigateur. Ouais. Mais tu ne pourras pas toujours te fier à ton seul instinct. Le plus important pour un marin est de connaître la mer. Connaître la mer? Oui, et tu apprendras aussi à te connaître toi-même. Moi-même? Connaître tes faiblesses et tes points forts. Apprendre à faire la différence entre orgueil et vanité, ambition et jalousie. La mer te guidera dans tes choix. Si tu sais écouter le vent, il te dira ce que tu dois savoir pour bien diriger ton bateau. Regarde la mer changer de couleur. Et tu liras en elle comme dans un livre. Et n'oublie pas, nous ne sommes que de simples mortels. La mer est éternelle. Si on la défie, elle finit toujours par gagner. Je n'ai pas tout compris. Je sais, mais cela viendra. Est-ce que tu m'apprendras? Promets-tu de m'obéir en toutes circonstances? Je le jure. Vous faites tout ce bruit là en bas. Libère Christophe. Bon, mais le capitaine, il voudra jamais. Tu as été nommé second, oui ou non? Le second doit savoir prendre des décisions sans toujours passer par le capitaine. Ouais, t'as raison, je suis chargé de la sécurité sur ce bateau. Allez, je descends tout de suite. Maintenant, écoute-moi bien. Une fois remonté, tu devras veiller sur le bateau et son équipage. Qui? Moi? Ne quitte pas la mer des yeux un seul instant. Écoute le vent siffler à ton oreille. Sois attentif et si tu notes le moindre changement, viens immédiatement m'en faire part, mon petit gars. Je serai ton observateur. Et penses-tu être capable de le faire? Tu peux compter sur moi. Formidable. Alors ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Je verrai et j'entendrai ce qui se passe à travers toi. Thank you.
Est-ce que tu as vu quelque chose? J'aperçois des nuages à l'horizon, de fins et longs nuages gris qui n'y étaient pas tout à l'heure. Compris. Va répéter à Luigi ce que tu viens de me dire. Ensuite, dépêche-toi de retourner à ton poste. À vos ordres. D'une très violente tempête qui se prépare. Du mou à tribord et bordez les coutes à bâbord. Allez, Dunay. Ah, l'heure de l'arrivée. Vu que je ne me trompe pas, je ne vois rien à signaler. Attention à la manœuvre! À tribord toute! Revenez droit dans le vent! À vos ordres! Mille à bord, nous n'allons pas échapper à la tempête. C'est toi, Christophe? Est-ce que tout va bien dans la cale, Giovanni? Comment est la mer? Je n'aperçois aucun changement. On ne tardera plus. On voit toujours les étoiles briller? Oui. Tant que tu peux voir la mer grâce à leur lumière, ne cesse pas un instant de fixer l'eau du regard. Je ferai ce que tu me dis, Giovanni. Christophe, il est l'heure oui de me jurer la vitesse. J'arrive! Giovanni, essaie de ne pas trop t'inquiéter. Tout ira bien. Luigi, je suis prêt! Eh ben, jette-le! Flotteur à la mer! On l'a dépassé! Le vent est tombé, tout est calme. Oh là, c'est l'heure du changement de quart! Allez, Paolo, tu as laissé Luigi seul à la barre? J'espère qu'il n'aura aucune difficulté. Tu le connais, il a mauvais caractère, mais c'est un vieux loup de mer. Et qui monte à la grande une? Moi, je peux y aller. Oui, pourquoi pas? Tu as beaucoup appris, nous pouvons te faire confiance. Tu es devenu un vrai marin. Vous êtes sûr? Mais oui, tu prendras le quart aussi bien que n'importe quel d'entre nous. Ah, je suis un vrai marin maintenant, un marin digne de confiance. Mais que faisait la vigie sur la grande une? Ah, c'est terrible, c'est ma faute. J'ai dû m'endormir quelques minutes. Approchez-vous!
chercher. Allez. Christophe, dépêche-toi de descendre, nous allons chavirer. Nous ne tiendrons pas, le bateau va chavirer. Qui était sur la grande vue? Je veux savoir qui était le vigie. Emmenez la voile. Dépêchez-vous, le vent va la déchirer. Affalez la grande voile et en vitesse. L'avion qui est coincé, la voile elle se déchire. C'est ma faute ce qui arrive. Je grimpe au mât. Tu es fou, petit. C'est dangereux. Christophe, descends de là. Je veux y aller. Tout ça, c'est ma faute. Christophe, je t'ordonne de descendre. Laisse-moi faire. Descends, je te dis, c'est un ordre. Non. Christophe! Giovanni! Coupe la drisse de la grand voile! Coupez la drisse! Qu'est-ce que je te dis? Sinon le bateau va chavirer! Je ne peux pas! Si je coupe le cordage, tu vas tomber à la mer! Coupe la drisse! C'est un ordre! Je ne peux pas! Écoute-moi, Christophe! Ceci est ta première leçon, souviens-toi de ta promesse! Coupe-le au banc avec le couteau que je t'ai donné! Je veux que ce soit toi qui le fasse! Christophe! Non, je vous l'interdis! Coupe le cordage! Dépêche-toi! Je vous en supplie, ne le laissez pas. Il faut aller chercher Giovanni. Giovanni! Feu de Saint-Tel, me regarde, Christophe, Saint-Tel me vient à notre secours. La tempête diminue. C'est grâce à Giovanni. Oh, c'est un miracle. Giovanni a donné sa vie en échange des feux de Saint-Tel. Oh, c'est un miracle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, Giovanni. Oh, Giovanni, je suis celui qui aurait dû être puni. Je te supplie de me pardonner. Oh, oh.
fais pas ça. Je ne supporte plus la vue de ce couteau. Il a pourtant servi une juste cause. Hein? Ce couteau t'a sauvé la vie. Le bateau n'a pas coulé et tout l'équipage est sain et sauf grâce à lui. C'est tout ce qui te reste de Giovanni, garde-le en sa mémoire. Avec ce couteau sur toi, tu gardes un souvenir de Giovanni. Et dans les moments difficiles, ça t'aidera à te rappeler ses conseils. C'est un peu de Giovanni. En la mémoire de mon ami Giovanni, je m'efforcerai de tenir ma promesse et de devenir un bon marin. Je le jure solennellement. Christophe Colomb, il est à 500 ans, hisse la grande voile de l'aventure pour voguer vers son destin sur les océans comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le sol, de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, ils partirent vers l'inconnu et découvrirent le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée, au-delà des mers. Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour, il découvrit